Bonsoir. Merci Florence pour le Prime, merci Protéine pour le sub. Miguel, Anto, les modos, tu sais, il n'y a que des modos quasiment. Cette discussion entre modos, il faut mettre un trèfle. Si je m'approche, je m'installe. Installe-toi. Tu sais que j'ai eu un peu mal à la tête aujourd'hui, mais ça s'est contenu. Ah ouais? J'ai pas pris de cacheton. C'est bien. Tu sais que Stevie, il a quand même insisté sur sa moto. Il m'a écrit avant, il a pété la chaîne. Il a voulu essayer et en fait la chaîne était tordue. Bah, ça a pété. Oh là 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 là. Coucou copine. Et Sylvie. Attends, on m'entend peut-être trop parce que je suis tout prêt. C'est pas grave, on m'entend-on. Oui, c'est vrai. Je parle plus fort que toi, moi. On est tous les deux lunettes actionnées. Non, oui. T'as tes dates de vacances pour cet été, ça y est. Oui, on va pouvoir vraiment réserver Portugal, ça y est. C'est moi, j'avais toujours un peu peur, tu sais. Et là, ça y est, on va pouvoir. Faudra que je prenne ton père et qu'on regarde ensemble. Portugal. Cool, là. J'espère que les valises rentreront dans la bagnole. Tellement longtemps que je suis. Va falloir faire les valises compactes, hein. Purée. Ouais. Gagner plus de place possible. Hein. T'inquiète, je suis organisée. Ouais, je sais. Fashion victime lunettes. Tu sais que maintenant, quand je les retire et que je me vois en les retirer, ça me fait bizarre. Ah ouais? Ça fait pas bizarre de voir son lunette, là? Ouais, c'est vrai, ça ouais. change. Il manque un truc, en fait. Et moi? Oui, aussi. Ouais? Ouais. Putain, on est des vieux binoclars, maintenant. Ça y est. C'est la hesse. Est-ce qu'on arrivera à se caler une journée piscine? Oui. Même deux, trois. Mais comme j'ai dit, nous, tous les deux, on partira peut-être pas quand même, hein, je pense. Avec l'achat des motos fera et tout. Des trucs par ici. Oui, voilà. Je pense qu'on se fera des trucs ici. On doit aller au week-end. Voilà. Je pense. Faut être raisonnable. Comme j'ai dit aujourd'hui dans le vlog, j'ai pas une bourrique qui chie des briques. Et je me suis dit, non, qui chie des lingots d'or. Mes parents, ils disaient, on n'a pas de bourrique qui chie des sous, hein. Bah oui, c'est ça. Mais bien, si à la maison, on peut profiter. Oui, mais c'est vrai que j'avais quand même envie. J'avais quand même envie qu'on parte une semaine, tu sais, pour vraiment se poser et tout. Mais il faut être raisonnable. On se fera des balades en moto. Oui. Voilà. J'ai déjà fait un devis d'assurance pour la Honda. Le même prix que la 125. Ah ouais? Oui, parce que c'est une voiture qui est à deux, c'est une moto qui est à deux non bridée. Qui est à deux d'origine en fait, qui dépasse pas les 47 chevaux. Donc ça coûte pas trop cher. Et si tu prends une Hornet bridée, c'est 140 euros par mois. Bah oui, c'est pas du tout pareil. Hein. Tu vois qu'il fallait pas t'en faire. Ah bah oui. Après, moi, si je viens à la journée piscine, moi c'est pour la bouffe. Hein. Moi je le dis. Hein. On était trop bien reçus, mais t'as vu? C'était trop bien. C'est un souvenir génial. Vous venez vous dépayser en Franche-Comté. Bah c'est pas l'Alsace au moins. T'arrêtes avec ça. Putain, aujourd'hui, j'ai reçu un mail d'une abonnée qui m'a déjà rencontré en vrai en plus. Qui m'a déglingué parce que j'ai dit que j'aimais pas l'Alsace et les Alsaciens. Ouais, mais t'aimes bien aller au Camerzel et puis t'es allé à la plaine, le truc des singes. Et puis tu trouves pas t'es bien content de trouver un ophtalmo en Alsace et machin. Et après, elle m'a renvoyé un mail en disant je suis rassuré pour Laura. Est-ce qu'on pourra remplir la piscine cet été en France? Bah, elle est déjà remplie, la leur, hein, normalement, je crois. Bah, je crois, oui. Oui, il me semble. Eh, on a quelque chose à vous annoncer. Quoi? Quoi? J'ai fait un TikTok. Ah, oui! Oui, alors, fais un TikTok. Moi, je suis content parce que j'aimais bien ces TikTok. Des fois, je vais regarder les anciens. Quand tu es au travail, que je suis tout seul. Non, c'est vrai, j'ai regardé des fois. Bah oui, hein. Non, va alors, je me rachète un autre fut parce que je vais porter celui-là tous les jours. Mais il faut pas le mettre. Bah non, je sais. Bah alors. Mais il faut que j'en achète un autre. Un normal, quoi. Bah t'en as. Oui, mais moi j'en ai que deux maintenant. Le glotte a déchiré encore. La faute à qui? Hein? La faute à qui? Bah c'est pas ma faute si c'est déchiré le futal, s'il te plaît. C'est quoi notre pseudo? Adrien underscore Loli, non? Adrien YTB underscore Loli. Je crois que c'est ça. Tu l'as supprimé. Ouais, Adrien YTB, tiré du bas, Loli. Le Q7 va bien. Oui. Oui, très bien. Oh, nickel. Bah, il faut encore... Stevie m'a dit, t'es pas censé remettre l'écran en route? Je dis, si, j'attends qu'il fasse chaud. J'ai pas envie de passer 2 heures, 3 heures à démonter tout le coffre et qu'il fait 2 degrés, quoi. Attends. Puis moi, je m'en fous, j'écoute pas de musique. Mais pitié! Mais déjà, sur YouTube, Timmy, elle a marqué... Moi, j'aime bien quand tu filmes en voiture et tout. C'est juste pour emmerder les autres, en fait. Pour que je parle du Q7. Non, si on parle de ça, moi je m'en vais. Hein. J'ai fini mon livre. Ton père a vendu sa moto. Oui. Oh, regarde. Bah, il est sorti il y a 1h30. Hein. Il est déjà en retour. Il a entendu que c'était l'heure du live. Oh, les huissiers. Oh là là. Marina, elle veut envoyer les huissiers à Timmy. Elle sait, j'ai des numéros d'huissiers. Hein. Comment ça le connaître hein. Regardez qui va là. Hop, pas sur moi. Oh. Non, il va mettre les griffes. Non. Dis bonjour.
Non, il est resté toute la journée dans le lit, lui. Il a dormi sur notre lit toute la journée. Ouais. Bah, je sais pas où il est, l'autre. Ah bah attends, regarde. Regarde sur le PC, je peux le suivre. Il y a l'application aussi. Regarde, tac. Où est-il? Bah il est dans sa... Voilà, il est dans sa planque. Mm. Ah ouais, regarde là. Ce petit poulailler ou je sais pas quoi, là. Ouais. Il est dans sa garçonnière. Et aujourd'hui, il a fait la forêt. Il a la limite du dépassement. Ouais, il a fait la forêt toute la journée. La méthode des enveloppes budgétaires. On fait pas les enveloppes. Non, mais j'avais montré parce qu'on les avait reçues. J'avais voulu faire et puis au final, c'est vrai que pour nous, c'était un peu compliqué parce que du coup... On paye tout par carte. On paye beaucoup par carte. Donc, si j'ai du liquide, j'ai un billet de 10 qui traîne sur mon bureau depuis 2 semaines. Non, dans ma poche aussi. Des pièces à droite, à gauche. Ces enfants, pour les bonbons, ils sont contents. Ils chassent. Ouais, ils chassent, Genos. Oui. Tant qu'ils nous ramènent pas un mulot à la maison, ça va. Tiens, regarde le cadeau sur le lit. Genos, c'est la version Mike Horn. Ouais. Mais est-ce qu'il parle comme lui, avec son accent? Moi, je te dis, il faut que tu fasses comme ça. Une chasse aux œufs chez vous, mais au billet. Ouais. Plutôt bel homme, il me plaît, Mike Horn. Pas de mort. Le thème de la FAQ, ça sera budget-organisation. Mm. Voilà. Budget-organisation, voilà. Oui, parce qu'après... Il y avait d'autres thèmes qui ont été posés, mais c'est majoritairement, c'est budget-orga. Parce qu'après, que budget, comme j'ai dit, bah ça va vite, quoi. Enfin, voilà, avec organisation, c'est bien. Mais avec l'organisation, ouais, c'est bien. Il a fait un AVC oculaire. Ouais, sa passion pour le fric. Comme nos comptables sur Twitter. Moi, je vais arrêter de payer mon comptable tous les ans. Hein. On a des comptables sur Twitter, maintenant. Ah ouais? Mais ils calculent nos dépenses. Il y en a une hier, elle a dit qu'on dilapidait l'héritage de la mère des gosses. Ah, bah oui. Oui. Putain, elle est vachement au courant, elle. On paye. On en a même parlé hier. On dilapide notre argent pour les dettes d'autres personnes. Merci, ouais. Junet Spirette, pour le Prime. Ça, effectivement, oui. On en a parlé hier, en plus. Hein. Oui. T'es un peu énervé hier. Ah oui. Ouais, ouais. Enfin, je suis pas énervé que depuis hier. Non, mais de ça... Mais hier, on en a parlé et j'ai dit, moi, ça me gave, quoi. Vous allez avoir du nouvel juge des tutelles. Bah, c'est cool, j'ai envoyé un recommandé il y a 6 mois, de toute façon, pour refuser l'héritage. Donc, comme ça, moi, ça ira plus vite. C'est dilapidage honteux. Mm. C'est gavant de payer les dettes des autres. Après, c'est comme ça, hein, si tu veux. Mmh. Mais bon, pas envie de parler de ça. Ouais. Ah, la photo que t'as partagée en story ce matin. Que tu es jolie. Tes yeux, Laura. Ça va mieux avec les lunettes. Hein. Oui. Après, comme on a dit, on ne dit pas ce qu'elle fait comme taf, mais elle a besoin de ses yeux pour le taf. Et je ferai ton taf, j'aurai mal à la tête à la fin de la journée aussi, hein, perso. Hein. Mmh. Même Stevie, hein, je lui ai montré une vidéo tout à l'heure, là, de tout ça. Et il m'a dit, waouh, mais... Mmh. Tu n'as qu'une plaque de feu. Nous, on a une 3 feux, on ne sert que de 2. Hein. Bah, ouais. La petite, moi, je m'en sers très, très, très rarement. Bah, oui, hein. Pareil. Mmh. Ça donne... bah, moi, au début, la première journée, je me suis senti bizarre. Et maintenant, ça va mieux. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que mon œil s'est déshabitué parce qu'en fait, je vois de nouveau un tout petit peu flou au loin. Ah bon ? La correction qui était efficace, elle est un petit peu moins. Et j'arrive à se dire, c'est un peu normal, en fait. Ouais. La vue s'habitue, mais après, je vois quand même beaucoup mieux. Hein. Mmh. Moi, je les enlève de temps en temps quand je mange ou trucs comme ouais, ça. Hier, quand je les enlève quand vraiment, je les utilise. Enfin, j'utilise pas mes yeux. Vraiment, je les enlève. Mais sinon, je les garde tout le temps maintenant. Mmh. Vert bleuté, sûrement pas. Non. On a dit non tous les deux parce que moi, j'en avais avant et je trouvais ça super désagréable. En fait, t'as l'impression d'être dans une lumière artificielle toute la journée. Mmh. Et du coup, quand elle m'a proposé, j'ai dit non. Et puis, bah, du coup, toi, pareil. Hein. Mmh. 3 jours de vague ophtalmique. Oh, quelle horreur. Ouais, ouais, ça te change la lumière, la couleur. Après, peut-être que certains, ça leur fait pas. Moi, je sais que moi aussi, ça m'avait fait, quoi. Ça faisait un effet un peu jaune, comme ça. Comme quand t'es quelque part et qu'il y a, tu sais, les vieilles lumières ça jaunes, fait un effet polarisant. Bizarre, là, ouais. J'ai pas du tout aimé. Hein. Je vais ouvrir une boîte aux questions pour la FAQ couple. Oui, bah, c'est le but. Mmh. Hein. Je lancerai la story demain. Et puis, on tournera ça tranquille ce week-end. Hein. Mon fils met des lentilles, l'histoire de la lentille qui s'est cassée dans l'œil, ça me fait peur. Oh. N'en parlons pas non plus. Non. C'est un sujet...